Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre le 6h30 de RTI1. C'est Noël, ce mercredi 25 décembre. Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens. Et puis hier, le pape François a célébré sa première Noël à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife est revenu sur ce message et je cite « Si nous aimons Dieu et nos frères, nous marchons dans la lumière, mais si notre cœur se forme, si l'orgueil, le mensonge, la recherche de notre intérêt domine, alors les ténèbres descendent en nous. » Fin de citation. Le pape a assuré les marginalisés. Le pape a assuré que les marginalisés sont les premiers à comprendre le message chrétien, exhortant les catholiques à ne pas avoir peur de croire dans sa première messe de nuit de minuit, célébrée sur fond de violence en Afrique et au Proche-Orient. La célébration de Noël, c'est également l'occasion d'offrir des cadeaux aux enfants. Et en Côte d'Ivoire, les enfants handicapés, les enfants victimes de guerre et les enfants issus des milieux défavorisés n'ont pas été oubliés. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant leur a offert plusieurs dons. Le reportage de Laetitia Manglet. 500 enfants défavorisés, vulnérables, handicapés et victimes de guerre ont reçu des mains du représentant du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant des présents en guise de cadeaux de Noël. Pour le ministère, la fête de Noël est un moment de convivialité, de réjouissance à partager avec les personnes moins nanties de notre entourage. Nous sommes aujourd'hui avec les enfants pour fêter Noël avec eux, pour leur donner aussi la joie de connaître la Noël. Parce que dans beaucoup de familles, des enfants auront des cadeaux, mais ce n'est pas tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et donc, Madame le ministre a décidé d'offrir des cadeaux aux enfants en difficulté. Par la voix de leur porte-parole, les enfants ont exprimé ouvertement leurs remerciements et leur gratitude. Je me sens très bien parce que nous avons reçu de beaux cadeaux. Je m'appelle Béranger. À Pobre, j'habite à Gonza, je suis content. Ces cadeaux viennent pour redonner le sourire et l'espoir aux enfants vulnérables du district d'Abidjan et leur permettre de vivre la magie de Noël. Comme ceux du district d'Abidjan, les enfants démunis d'Issia, c'est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, n'ont pas été oubliés eux aussi. Ces enfants ont reçu des cadeaux. Les explications de Kwasi Mamadou. La joie se lisait sur le visage de ces enfants. Démunis, mais meilleurs de leur classe. Pour la première fois pour certains, ils reçoivent un cadeau pour la fête de Noël. Ils sont 506 enfants de 234 écoles de Boguedia, Issia et de Tapeguia qui sont primés aujourd'hui. Le geste est de Célestine Trazéré, députée d'Issia et vice-présidente de l'Assemblée nationale. La bienfaitrice, à travers ce geste, veut permettre à tous les enfants de sa circonscription de vivre d'heureuses fêtes de fin d'année et surtout de susciter la culture de l'excellence à la base. Ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. C'est grâce à ces enfants-là que demain, vous auriez à manger. C'est grâce à ces enfants demain que vous pourriez dormir dans des maisons décentes. Alors, chers parents, soyez le père, la mère de chacun de ces enfants. Les enfants n'ont pas été les seuls bénéficiaires de cette journée de solidarité. Les parents d'élèves ont aussi reçu des bons permis de conduire. Les responsables du système éducatif ont souhaité l'installation d'un bibliobus de Children of Africa à Issia. Afin de satisfaire la curiosité des enfants, les récipiendaires ont promis de travailler davantage afin de toujours bénéficier de cadeaux. Je vous conduis à présent hors des frontières ivoiriennes au Cameroun. Et vous allez le voir, les Camerounais dépensent sans compter pour les fêtes de fin d'année. Presse dans les magasins de jouets. Pas obligé, c'est notre devoir, satisfaire l'enfant en période de fête, que ce soit cher ou que ce soit abordable ou pas. Les prix ont triplé, vraiment, on s'en sort pas. Les enfants sont vraiment capricieux, ils veulent, si comme ils regardent la télé, il y a les publicités et tout. Une folie des cadeaux au grand désespoir de monsieur le curé qui regrette les Noëls d'autrefois. C'est malheureux de le dire, la marchandisation a finalement occulté le vrai sens de Noël. Alors que le véritable cadeau de Noël, qui est le Messie Sauveur venu pour nous tirer de notre misère, c'est complètement mis au rancard. Confirmation dans les rues de Douala. Alors que les Pères Noël et autres guirlandes s'arrachent comme des petits pains,
Autour de la cathédrale, les marchands de chapelets et de statuettes religieuses font grise mine. Eux-mêmes avouent d'ailleurs succomber au rituel des cadeaux profanes, entre autres pour la paix des ménages. Tu ne payes pas le jouet maintenant aux enfants, ta femme peut même fermer la maison que tu ne peux plus entrer. À Douala ce soir, on oubliera un peu les soucis du quotidien. Cadeaux et sapins brilleront de mille feux. Monsieur le curé, lui, ne désespère pas. Il compte bien remplir son église. Nous étions au Cameroun, au retour en Côte d'Ivoire pour parler des festivités de fin d'année. Justement, le gouvernement a pris des dispositions pour permettre aux populations de passer des fêtes paisibles. Plusieurs patrouilles des forces de l'ordre sont organisées à travers les villes de la Côte d'Ivoire et surtout dans la capitale économique à Abidjan. Les éléments de la police nationale sont présents à tous les coins de rue. En cette fin d'année 2013, aucune commune n'échappe à leur contrôle. Et c'est dans la régulation de la circulation que leur présence se sent le plus. Pour la sécurisation du district autonome d'Abidjan, des dispositions sont prises pour parier à toute éventualité. Dans les points sensibles des quartiers, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, les maquis et tous les endroits fréquentés seront sous contrôle. Des lieux identifiés comme des zones criminogènes dans les quartiers sont également circonscrits par des patrouilles pédestres. Ajoutez à cela la fouille des véhicules, le contrôle des pièces afférentes ainsi que celui des pièces nationales d'identité. Il faut rassurer la population ivoirienne, surtout abidjanaise, pour ne pas qu'elle entretienne ce sentiment de peur, qu'elle vive dans une certaine psychose. C'est une opération à caractère dissuasif. Pour les fêtes de fin d'année et du nouvel an, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la police nationale, appuyée par l'ONUCI, entendent relever le défi de la sécurité et permettre aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes. Vous avez reconnu la voix d'Abou Sanogo. La sécurité assurée par les forces de défense et de sécurité reste aux usagers de la route d'être prudents et vigilants pour permettre aux populations de fêter en toute quiétude. L'Auxerre s'attelle à cela. L'Office de sécurité routière est en campagne de sensibilisation. Les agents déployés aux abords des trottoirs et les grands axes invitent les automobilistes et piétons au respect des feux tricolores, à éviter les comportements à risque en cette période de fête. Corridor de Gonzagueville, ce matin du 24 décembre. Le trafic est relativement dense sur cette voie. Des véhicules entrant et sortant en direction de Bassam et d'Abidjan sont soumis à un strict contrôle. Aux côtés des agents de force de l'ordre, on remarque la présence des agents d'office de sécurité routière. Ceci, c'est pour tester l'alcool au volant. Et il y a un réactif qui est jaune. En soufflant, en gonflant le ballon, venez vous souffler maintenant. Après ceci, on appuie là et on dégonfle. En dégonflant, ça dit que l'air qui sort et de l'alcool, ça a de l'alcool dedans, ça vit au vert. Donc quand ça vit au vert, ça dit vous avez bu. Et quand ça dépasse ce trait là, ça signifie que vous êtes en état d'ébriété, donc vous ne devez pas conduire. C'est le copilote qui doit conduire. Maintenant, c'est bon. Cette opération est initiée par l'Auxerre dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Une action de proximité menée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette année encore, l'Auxerre a prévu de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour garantir la sécurité des usagers sur nos routes. Au titre de ces actions, nous avons vraiment deux grands groupes d'actions. Il y a les actions d'information, d'éducation et de sensibilisation. Et le deuxième groupe, ce sont des actions de surveillance du réseau. En Côte d'Ivoire, les accidents de la route font chaque année 600 000 morts et plus de 11 000 blessés. Ce chiffre atteint son pic pendant les grands moments de liesse et de réjouissance. Moments pendant lesquels la circulation impose quelques règles d'usage en matière de sécurité routière. Cette campagne connaîtra un second virage dans les jours à venir où plusieurs équipes de l'Auxerre seront déployées dans la ville d'Abidjan pour veiller au respect du code de la route, particulièrement au respect des feux tricolores.
Commentaire signé Christelle Mena. Kwasi Mamadou, lui, nous dit que les enfants de l'Institut Raoul Folero d'Adzopé ont été soulagés à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Les membres de l'Amicale des anciens de l'AEMC ont mobilisé pour ces enfants souffrant de la lèpre plus de 7 millions de francs CFA. C'était au cours d'un dîner gala. Plus de 7 millions de francs CFA. C'est la somme recueillie au cours de la nuit de la spiritualité de bienfaisance à l'endroit des malades de la lèpre. À l'image de Raoul Folero, le vagabond de la charité, qui affirme que nul ne peut être heureux tout seul. Les membres des 3A, l'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, volent au secours des malades à travers le thème « Face à la lèpre », un geste d'amour. Créer une chaîne de solidarité pour soutenir des populations considérées démunies ou éprouvées par certaines endémies ou par leur situation précaire. Une initiative saluée par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams. Le cheikh Boakary Fofana exhorte les fidèles musulmans à la culture de la fraternité et de la solidarité, en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. L'action sociale que vous menez est un prolongement de votre foi, est une manière de donner une dimension spirituelle plus profonde à votre foi, de tendre la main aux autres. Message réitéré par Adjacita Ouattara Keïta, qui a exprimé sa volonté à soutenir les œuvres caritatives en vue de soulager les plus démunis. Au nom des récipiendaires, le professeur Vagabond Bomba a exprimé sa gratitude aux 3A, car selon lui, ce geste va permettre aux malades d'avoir la joie de vivre. Vente aux enchères de nombreux articles islamiques et une levée de fonds ont permis de mobiliser 7 millions 112 000 francs CFA et une chaise roulante. L'année dernière, ce sont plus de 10 millions de francs CFA qui ont été mobilisés en faveur des orphelins du VIH-SIDA. Des fonds qui ont permis la prise en charge médicale, scolaire et alimentaire de 448 enfants de la commune d'Atekoubé. Un mot d'agriculture dans ce journal et nous allons prendre la direction de Yamoussoukro. La capitale politique a abrité récemment les premières journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Parrain de ces festivités, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a invité les Ivoiriens à s'investir dans l'agriculture. Le commentaire est signé Hugues Hervé Blé. Le président Oufoué, saluez Monsieur le Président et leur savoir-faire. Enfin, j'en ai à une, le cadre, Côte d'Ivoire. Ce serait une erreur de laisser l'agriculture. C'est pourquoi je veux inviter les Ivoiriens à s'investir dans l'agriculture. On n'a pas à dire, comme je suis préfet, je ne dois pas aller au champ. Ayez votre petit champ, ce n'est pas grave. Un jour, ce champ-là, vous le revaudra. Le jour où vous prendrez votre retraite, votre champ ne sera pas des paysans pour vous. Monsieur, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture des ressources animales et halieutiques veut symboliquement dire aux braves paysans, aux braves éleveurs, aux chercheurs qu'ils ne doivent pas désespérer, car ce pays est né agricole, il est toujours agricole et le restera encore pour longtemps. Il est important de leur rendre hommage que vous avez vu l'ambiance de mobilisation qu'il y a eu autour de ces journées. On a vu les femmes, les hommes du milieu paysan qui sont venus comme un seul homme pour participer donc à ces journées. À toutes nos excuses, quelques soucis techniques ne nous ont pas permis de vous proposer cet élément en intégralité. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous propose actuellement de faire le tour du continent africain en images et en commentaires.
Le Parlement ougandais durcit encore sa législation contre les homosexuels. Une nouvelle loi prévoit même la prison à perpétuité en cas de récidive. Courageusement à visage découvert, ces militants homosexuels promettent de lutter jusqu'au bout contre cette loi. Cette loi ne change rien au fait que nous sommes homosexuels. Elle ne nous empêchera pas de parler, elle ne nous empêchera pas de montrer nos visages. Nous sommes toujours là, nous résistons et nous combattrons l'esprit de cette loi. L'Union européenne a d'ores et déjà condamné cette loi qui doit encore être approuvée par le président Museveni. Cet avocat congolais vient plaider une cause qui lui est chère auprès du président français. Pour punir les crimes de guerre au Congo-Kinshasa, il souhaite l'appui de la France, qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU. On va demander un tribunal pénal international pour la RDC. Et surtout parce qu'il y a quand même 6 millions de morts et plus de 500 000 femmes qui ont été violées au Congo. Les violences sexuelles sur le continent africain, c'est justement le combat de la Première Dame de France. Valérie Trierweiler avait organisé une grande conférence sur le sujet début décembre à Paris, en présence des épouses de chefs d'État africains. Le gouvernement en Guinée-Bissau, vertement critiqué après une grève de 5 jours dans la fonction publique. Le Conseil d'État, organe consultatif, reproche aux autorités d'avoir refusé tout dialogue avec les syndicats, causant un mouvement social qui a mis le pays à genoux. Les grévistes réclamaient le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Un seul leur a finalement été versé. Ils menacent de cesser à nouveau le travail. C'est Noël, ce mercredi 25 décembre. Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens. Le pape François a célébré hier sa première Noël à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife est revenu sur ce message et je cite « Si nous aimons Dieu et nos frères, nous marchons dans la lumière, mais si notre cœur se ferme, si l'orgueil, le mensonge, la recherche de notre intérêt dominent, alors les ténèbres descendent en nous. » Fin des citations. Le pape a assuré que les marginalisés sont les premiers à comprendre le message chrétien, exhortant les catholiques à ne pas avoir peur de croire dans sa première messe de minuit célébrée sur fond de violence en Afrique et au Proche-Orient. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI1. Joyeux Noël à tous et à toutes. Bonjour chez vous.